l'attaque du grand favori, ah, le coureur espagnol, Joaquim Rodriguez. Mais attention, il est peut-être parti un petit peu tôt parce que Van Aert est juste derrière, qui cale l'attaque. Là, il est dans son exercice de prédilection. Je vous l'ai dit, dès que ça monte hors norme, il est là. Et là, enfin, peut-être qu'il va assumer. Deuxième en 2011, deuxième en 2010, Joaquim Rodriguez. C'est sûr, parce qu'après le virage, c'est long encore. Hein, les 200 derniers mètres sont longs. Ça tente de revenir. Ça tente de revenir du côté de l'équipe Queen Edge avec Miguel Albazini. Albazini qui est juste devant la route de Rodriguez. Joaquim Rodriguez. Au maximum, Miguel Rodriguez. Ça va peut-être lui suffire à Joaquim Rodriguez. Est-ce que ça va lui suffire? C'est Albazini qui revient. Philippe Gilbert est là. On est derrière, juste derrière. Ça devrait lui suffire parce qu'il est fort pour Ito. Il va peut-être enfin assumer et remporter une grande victoire sur une classique. Voilà qui est fait. La victoire ici. Sans surprise finalement, il n'y avait pas de favori, mais c'était celui qui était le plus cité. La victoire de Purito Joaquim Rodriguez pour l'équipe Katusha s'impose juste devant Michael Albazini. Philippe Gilbert termine 3ème, Van Aert termine 4ème. Ulrich has done nothing about it at all. He saw the speed and the acceleration of Lance Armstrong and he's gone off after Pantani and Botero and they've got nothing left. Look at that. Ulrich could not respond. He must have heard that attack coming. He must have felt it go by. He looks at the Colombian rider. How are you doing? Thank you very much. Goodbye. I'm now going to chase after the Pirate.